Bambara. Allez. Celle de Julie d'abord. Salut Julie. Célibataire sous le charme virtuel de Ludovic depuis 8 mois. Elle a peur que ce quadragénaire fraîchement divorcé joue un jeu avec elle pour une aïe. De son côté, a eu un coup de cœur en ligne pour Kelly il y a 6 mois. Il redoute leur première rencontre car il veut vivre à la campagne alors qu'elle adore la vie. Ah. Est-ce qu'elle a envie de vivre au milieu des vaches plutôt qu'au des Uber ? Nous le saurons ce soir. Mais on commence tout de suite avec Andrea. Alors, Andrea, salut Andrea, tu fais semblant de dormir pour l'émission, c'est très cringe. Et si elle a déjà elle se réveille. Au lever du lit, c'est parce qu'elle sait. Oh, c'est parce que la production lui a demandé, très certainement. Aujourd'hui, elle va enfin rencontrer l'homme qui lui plaît tant virtuellement. Il faut savoir qu'il est entraîneur de foot. Et du coup, avec son équipe, ils ont gagné un match. Mais ils non. ont fait une vidéo sur la chanson de Gradure, Ne reviens pas. Ne me dites pas qu'elle est... Attendez, on va où là? J'arrive pas à savoir où elle veut nous emmener là, je suis un peu perdu. Et en fait on voit sa tête et on voit qu'il chante, qu'il rigole, qu'il est tout sourire, tout foufou. Et du coup ça m'a fait trop rire et je me suis dit celui-là il doit être trop marrant. Le mec a gagné un match de D4 moldavienne. D4 moldave plutôt. Il a chanté Gradure, la pire musique de Gradure. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Et il va matcher une meuf grâce à ça. C'est trop. En vérité, je vous le dis, c'est trop. C'est tombé sur nous comme ça, du jour au lendemain. C'était pas voulu. Merci Gradure. De rien l'équipe. Ce qui me plaît chez lui, c'est son côté foufou, quoi. Je rigole tout le temps. Il a une tête, tu vois, à gagner des matchs de foot et à chanter du Gradure dans les vestiaires. Je sais pas pourquoi, mais je vois le côté foufou du truc, tu vois. J'ai de l'immense respect pour cette relation. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Et c'est quelque chose de... C'est un bonheur, c'est un plaisir. Qui est différent à ma vie. Il me donne confiance en moi, il me dit que je suis belle. Ça te va bien, bien cette ça. Robe. J'aime bien comment t'es maquillée. Ah, bah, on voit qu'il bien, est intéressant, en fait. Enfin, pas envoûté, mais... Bon, il est en kiff, il est piqué le bougre. Des quoi? Des quoi? Envoûté, marabout. Même ici, il va me suivre ce putain de marabout. Tu crois que ça me suffit pas de mettre des transversales sur toutes les après-midi? Et toi, tu m'en parles? Je suis là pour passer un bon moment, je suis là pour kiffer. Et tu me le remets, le marabout, en plein milieu de la gueule, Andrea. Putain, merde. C'est trop! Ça fait 1 an et 3 mois, c'est énorme une relation de parler, de discuter, d'échanger sans... Attendez, vous avez vu ce rebond ou pas? Non mais attendez, le marabout là, il a clairement intenté à ma vie! Quoi? C'est tout ce qui a failli être un goal? Quoi? Oh, je veux le voir là-dessus. Contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait... Voilà. Marabout! Quoi? Je finis ce live, je vais voir un marabout. On va me faire des envoûtés là. Les mecs qui osent encore dire c'est pas une histoire de chat, broyez-vous les couilles au marteau piqueur. Voilà, j'ai envie de me broyer les couilles, les couilles, les couilles. J'ai envie de me broyer les couilles au marteau piqueur quand j'entends ça, sans déconner. Si ça se trouve, ben dans 10 ans on sera mariés, on aura des enfants, je sais pas en fait. Oui, calme-toi quand même. J'ai l'espoir, mais si ça se pose, ça se... Vous êtes rencontrés sur une story de Gradure. Doucement, prenons les bases, tranquillement. C'est une déception, bien sûr, parce que ça serait une perte de temps. J'ai envie d'aller plus loin avec lui, mais il faut qu'il ait envie aussi. Et oui, parce que sinon c'est un kidnapping, hein, voilà. Je dirais que son problème, c'est qu'il a tellement été déçu et trahi dans sa relation précédente que maintenant il se venge et il profite un max, en fait. Toutes mes copines, elles sont presque mariées. Au con, mais ils ont tué 14 serpents pour faire ces bottes, hein, mon vieux. Elles ont des enfants, ça donne envie. Alex, il y a une espèce qui a disparu, hein, juste avec ses bottes. Il est entouré de beaucoup de femmes. Et du coup, j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes sur ça. Et j'ai besoin qu'il me prouve que c'est moi, c'est la seule et l'unique. Ah ouais, tu fais peur un peu, Andrea. J'ai un peu peur. Ok, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est un jardin, frère. Est-ce qu'il va parler de l'avenir? Voir s'il va savoir mettre sa fierté de côté. Ah, mais sans déconner, la dégaine avec le bouquet de fleurs, j'avais l'impression qu'il allait me donner une quête, le frère. C'est un PNJ. Il
cache sa tête derrière le bouquet, hein. La prod lui a dit de bien cacher sa tête derrière le bouquet. Bah, dis donc. T'as vu? Un bouquet de fleurs? T'as vu? Bah, viens, je te prends dans mes bras. Mais genre, j'ai les yeux comme ça. Un feu, un radar, une mine. Ah ouais, ça c'est des feux de détresse. Hein. Ça me touche, c'est trop mignon. C'est. Mais attendez, il y a une forêt qui a été déforestée hein, pour ce bouquet Antique. De fleurs. C'est plus belle en vrai, je te dis la vérité. Merci. Arrête, je veux rougir. Faut comme pas. Les rouges. Non, mais c'est grave. Je vais rougir comme les rouges. Quel est le sens de cette phrase? Choc thermique. Oh là là. Vous pensez qu'il a une giga calvasse, Alexandre? Il est suspect, ce chapeau, hein. Tu es dégarni, Alexandre, ou pas? Je m'en doutais que t'allais mettre ton chapeau. Pourquoi? Tu t'en doutais? Je regarde que lui, quoi. Je l'analyse. Oui. En même temps, il y a lui et le barman, hein. Donc si tu regardes le barman, on va se poser des questions, quand même. J'ai des pieds à la tête. C'est comme si je voyais un gros gâteau au chocolat et j'avais super faim que je voulais le manger tout cru. Ça m'appelle, genre, mangez-moi. Excusez-moi, j'avais besoin de décompresser un coup. Vous m'en voulez pas, ça va? Non, mais je suis choquée, genre j'étais en face de moi. Ah, mais j'ai le fuego. J'ai le fuego. Il m'a jamais vraiment montré qu'il était capable de n'avoir que moi. J'espère qu'il va savoir me rassurer, du coup. J'ai l'impression que t'as une image de moi, ouais. Que tu crois que je suis quelqu'un, je côtoie que des filles. Mais ça, c'est le chapeau, Alex. J'ai une réputation de fêtard. Certains peuvent me laisser... Aïe, aïe, aïe. Sous-entendre que je suis un coureur de jupons et malheureusement ça m'a porté préjudice, dont Andrea. Moi, dis-moi. La femme que je veux, c'est toi. Oui. D'accord. Mais dites-vous oui, putain, vous tournez en rond, ça fait une demi-heure, voulez-vous pécho, chopez-vous, merde. D'accord. Ouais, mais genre, qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es rendu compte, ouais, ça y est, ce sera elle, j'ai envie de faire quelque chose avec elle, sachant qu'à la distance, les relations à distance, c'est bien, mais... Je crois qu'il est un peu saoulé d'elle. Je crois qu'il en a un petit peu marre, le frérot, là. J'ai tellement été trahi et déçu que... Il va vraiment lui chanter gradure, hein. Prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas. Et je pense que Andrea, attention, il y a peut-être une début d'histoire d'amour et une fin d'histoire d'amour sur la même musique, hein. Je la considère comme ma future femme. Eh ben, dis-lui. Elle comprend pas. Je me dis... Bon, allez, là, c'est le moment de parler. Allez. De te comporter comme un... Sors les mots, sors les termes, Alexandre. Et là, cherche tes épaules, même si t'en as pas. Mais ouais, mais si. Par contre, je suis stressé de ouf. Allez, dis-lui. Je vais te mettre au pied du mur, d'accord? Il y a une clé ici. Mmh. Wow. Bon, enfin, c'est juste le concept de l'émission. Je vais monter dans ma chambre, que si tu me rejoins, cela voudra dire que... On va chanter du gradure ensemble. Tu feras ta vie avec moi sur Saint-Etienne. D'accord, donc ça veut dire que c'est un acte très très fort. Je lui pose un ultimatum. Quoi, elle se mord les doigts, elle sort la langue en même temps, elle était comasse. C'est une décision qui doit être durement réfléchie quand même. Une décision qui est pas facile à prendre. Ça veut dire qu'il y a un déménagement. Faut louer un camion de déménagement. Faut descendre jusqu'à Saint-Etienne. Faut vider les meubles. Faut faire un double des clés. Il y a beaucoup de... Voilà, tu vois. Il me fait une blague. J'ai peur. J'appréhende de ouf, ma tête elle tape le plat. Attends, mais c'est vrai qu'il a pris les clés, non? Attendez, il a pris les clés. Il me fait une blague. Il a mis les clés dans sa poche, frère. De ouf, parce que il n'a pas compris le concept de l'émission. Moi, c'est... Je stresse. Ah, il va s'enfermer à double tour dans les chiottes, il a rub d'elle en fait. Stress total. Oui, elle regarde, on les a entendus, elles sont dans sa main. J'espère qu'elle va venir. Mais elle peut pas venir, t'as pris les clés. T'as pris les clés, frère. Je suis choqué, c'est une grosse décision, c'est lourd. Oh, c'est ce que tu voulais il y a 2 secondes, nous pète pas les burnes, Andrea, maintenant, merde! Découvrons Maxime. Maxime! Cet amoureux de la nature a bien besoin de souffler avant de se retrouver pour la première fois face à celle qui le fait craquer en ligne. Elle le fait craquer sur les réseaux. Ça fait 4 mois que je parle avec Kelly. Il y a un feeling que j'ai pas eu avec des filles. Pour moi, c'est la femme parfaite. Il ressemble à Monkey Moon. Alors, tu me feras le plaisir d'aller laver tes yeux à la Javel, hein? Merci. J'ai pu l'aborder sur les réseaux sociaux. Elle avait mis une photo et je la trouve vraiment belle sur cette photo. Puis j'ai sur cette photo, je la trouve dégueulasse sur les 48 autres, mais cette photo elle est pas mal, donc bon, je vais tenter l'aventure. Ah bon, faut se lancer, j'ai envoyé un message. En général, ça s'arrête là. En général, les filles belles, c'est des filles assez compliquées. Ça va les clichés sinon, frère? J'aime tout ce qui va être nature. C'est sûr que c'est un point qui peut bloquer, parce qu'elle habite en ville. Salut! Oh, c'est le bomba, Kelly! Comment tu vas? Ça fait trop bizarre de te voir. Ouais. Ça fait bizarre. Elle est mignonne, Kelly, hein? Vrai.
C'est... On peut pas s'y préparer. C'est trop bizarre. C'est clair. Bon, Kelly, est-ce que ça te dit de traire des vaches et de t'occuper un petit peu des moutons? Voilà, c'est le projet, hein, clairement, de Maxime. Et du coup, content, pas content? Bah oui, content. Je sens qu'on est gêné, mais... Non, je le suis pas non, du tout. Non, Maxime, putain, fais chier, pas encore. Maxime, arrête. Non, en vrai, ça va. Ça fait tellement de temps que je te parle par message, par visio. Ouais. Maxime, pas... Le petit malaise. Oh là 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 là. C'est quand même plus simple par vidéo. C'est quand même plus simple par le vidéo. C'est-à-dire que le sujet est naze et il a dit le vidéo. C'est une catastrophe. Hein. Ah, oh là, cette position de la gêne. Le meilleur arrêt sur image, cette position de la gêne, frère. Ah ouais, ça veut dire quoi, ça? Ah, putain, ouais, il est mort. Oh, putain. Non, mais Maxime, mais faites un effort, les gars, ils sont là. Yé, machin, yé, tchat, nanana, ça envoie des textos, et tu es la femme de ma vie, j'ai envie qu'on ait 14 enfants ensemble. Et quand ça se voit en vrai, frérot, ça bégaye. Y'en a marre, maintenant, portez vos couilles, merde. Non, mais c'est que... Oh, il a avalé, frère, il s'est fait mal, je vous jure. Il a fait un bruit, frère, je te jure. Sans déconner, il y a eu 6 litres d'eau qui sont allés dans son ventre. 6 litres de salive, frère. Peut-être que vu que c'est notre première rencontre, ben c'est normal qu'il soit timide. Oui, voilà, prends-le comme ça. Exactement, Kelly. C'est bien. C'est quoi? Je sais pas, cherche. Non, vous voulez que je vous dise, les gars, ce gars, moi, j'ai le vrai sosie. C'est le mix entre Kenny S et T'épouse. La vie de ma mère que c'est ça. Je vous jure. C'est Kenny S et T'épouse s'ils avaient eu un gosse. Je vous jure que c'est la vérité. Je sais plus trop quoi dire. Oh. Mais... Oh là là. Plus à l'aise pour mettre des headshots, hein. Non, c'est le stress. Hyper gênant, hein. J'aime pas du tout. Si elle vient de lui mettre un truc, frérot, c'est un coup de poignard dans le cœur. C'est le stress. Bah, quand il y a des. Quand il a regardé son téléphone pour rien regarder. Ça, c'est typique du stress. Quand tu regardes ton téléphone, tu sais, il y a personne qui t'a parlé, frère. Mais t'es là en mode. Ça, c'est le stress. Blanc, ouais. Je suis en train de merder. Il va la perdre. Que, il va la perdre. On a fini de parler. Il y a encore ce moment où on se dit. Bon, allez, c'est bon, faut relancer, mais de quoi. On sait plus trop quoi aïe, dire. Aïe, aïe, c'est énorme. Aïe, 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 mais aïe, ok, aïe, on passe, on va passer à d'autres. On va discuter d'autres choses. Toi, t'es plus quelqu'un qui. Est-ce que j'ai en train de penser à ça, qui va vouloir rester citadine, habiter en ville ou. Ah, mais oui, j'avoue, il avait même pas parlé de ça, alors que c'est la question absolue qu'il voulait poser. Ou ça te dérange pas de t'éloigner. Oui, il est dans. Sans décoller, quoi. Une Renault 4 qui démarre. Maxime. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Je suis une personne très citadine dans le sens que moi j'ai besoin d'être en ville constamment en fait. Pas être dans la nature, enfin je me sens perdue en fait parce que t'as rien autour. Mmh. Et toi? Du coup, je me souviens. Moi j'habite dans le centre-ville pour l'instant et puis là je pars en campagne. Ok, quand ça? Dans... Je me souvenais plus que tu m'avais dit ça. Tout est raté, c'est un flop mais... Voilà, le seul amour dans cette pièce, c'est le mot love écrit sur ce cadre. Sinon, tout est raté, y a rien. On est tellement différents, mais comme on dit des fois, ben, les opposés s'attirent en fait. Et j'ai besoin d'une personne dans ma vie qui me complète. S'il faut bouger dans le sud. Attendez, il y a peut-être overtime, les gars. Non. Mais pourquoi pas le sud? C'est justement l'endroit que j'adore en France, le sud de la France. Oh, le soleil, mort. La plage, ouais. Les soirées. Ah, il est mort. J'ai fait Saint-Tropez, Cannes, Monaco. Toutes les destinations qui puent du cul, quoi. Non, mais c'est pas le sud, ça. C'est les bourges du sud, ça n'a rien à voir. On habite à Montpellier, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les riches. C'est pas le sud, c'est chez les riches, ça n'a rien à voir. Monaco, c'était mon endroit favori. C'est pas en France, hein. Ça fait partie de la France. Bah oui. Attends, non, il a pas fait la réflexion. Monaco, alors, Monaco, pour ta gouverne, c'est un royaume. Il y a, voilà, le prince, Monaco. Il a pas fait ça, frère. Monaco, c'était mon endroit favori. C'est pas en France, hein. Pour moi, Monaco, c'est la France. La vérité, je vous dis. Bon, les monégasques sont pas contents, mais pour moi, c'est, je sais pas, c'est trop bizarre, frère. Il y a toujours des compromis qui peuvent être faits par la suite. Ouais, mais là, il y a beaucoup de compromis, si frère. Simplement, bah non, je préfère éviter en ville. Bah, là, c'est sûr qu'on va pas aller bien loin. Je vais monter. Je te laisse réfléchir pour savoir est-ce que t'as envie de qu'on poursuive pour voir si ça va matcher par la suite. Mm-hmm. Ah, puis, c'est mort, les gars. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour la proposition. Yes.
Merci pour la proposition, ça veut dire soulève tes morts. Hein. La meuf kiffe Saint-Tropez, Monaco, et lui a dit viens on va dans la Creuse. Hein. Globalement, je vois, non mais c'est très résumé, mais globalement c'est ce qui vient de se passer. Hein. Découvrons Julie. Alors, revoilà Julie. Julie est une maman célibataire qui rêve d'amour et d'un homme à la maison. Et elle pense bien l'avoir trouvé avec Ludovic, qui fait battre... En tout cas, c'est une daronne, sachez-le, parce qu'elle slide sur son téléphone comas. Comment reconnaître quelqu'un qui a plus de la trentaine facilement? Voilà, ça c'est un truc de daron, ça. Ça, c'est... Il lui manque juste les lunettes au bout du nez, comme ça. Là, je suis en train de faire ton daron, ça. Qu'est-ce que c'est, ce connerie, là? Qu'est-ce que c'est, ce truc, là? Je comprends pas, là, truc, là. Toujours ce truc, là, qui s'apparaît, ce machin, là. Connerie de téléphone. Ça, c'est ton daron, ça. Et donc ça, tu peux voir un âge avancé, déjà, comme ça. Je n'ai vu que des photos. Trop rapide le mouvement. Il y a deux variantes, c'est vrai. Il y a soit très énergique, comme ça, soit... pas serein. En fait, il y a des darons, j'ai l'impression que quand ils manipulent un téléphone, ils ont l'impression que c'est la bombe nucléaire. S'ils mettent le doigt pas au bon endroit, la maison, elle explose, frère. C'est un truc de ouf. Alors, Julie reste prudente, car elle n'a pas un passé facile avec les hommes. La pire chose qu'on m'ait faite, c'est que un matin, je suis allée chercher les pains au chocolat, et quand je suis revenue, non. Il avait disparu. Oh. Oh ma race. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Oh. Le mec s'est dit putain, il est parti chercher les pains au chocolat. Il a pris ses affaires, il est parti frérot, il a changé de ville. Oh l'enculé. Julie veut être sûre que Ludovic ne lui mente pas. Les yeux dans les yeux. Elle veut les tester yeux ses dans sentiments les yeux. Et savoir ce qui se cache derrière the ses belles paroles virtuelles. Sa plus grande peur. Il arrive. Le quadragénaire, Ludovic. J'ai mon cœur qui bat, je sais pas comment je dois me tenir. Le cœur qui bat, c'est plutôt bon signe quand même. Hein. Je suis pas médecin, mais c'est plutôt bon signe. Je dois me tenir droite et j'apprends. Ah mais là, excuse-moi, mais déstresse un peu, cousine. On dirait que tu fais un entretien d'embauche là. Sans déconner, hein. Tu vas pas lui tendre un CV là. Oh, oh pardon. Non, 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 mais juste que les darons qui ont plus de cheveux et qui mettent du gel, ça me fout droit de rire. Voilà, c'est juste, non, non, mais c'est tout, je juge pas, non, 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 mais c'est juste qu'il a mis beaucoup de gel, en fait, c'est juste ça, ça m'a... Je m'attendais pas. Ça... Comment vas-tu? Ça va et toi? Je m'attendais pas, mais on juge pas, chacun fait ce qu'il veut. T'es ravissante. Merci, t'as vu. Ah ouais. Mais là, il te tombe dessus, les yeux en avant, enfin la tête en avant, il te met une mèche dans l'œil, tu perds la vue, hein. Waouh, il est trop beau. Wouh, il est encore plus beau que sur les photos. Je suis trop contente. Elle est in love, la July. Il semble que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Oh, bah, 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 lui, il a de l'expérience. Hein, tu as de l'expérience, chacal. Oh, chacal. Tu en as de l'expérience, hein. Un petit joueur, lui, hein. Je pensais pas qu'il avait retenu la date de mon anniversaire. Et en plus, il m'a vu chaud. Ça change des mecs. J'ai combien de frères et sœurs? Deux frères et sœurs. Deux. Je pense qu'à travers tous nos échanges, voilà, on a quand même partagé pas mal de choses. Après, on peut partager des bons petits repas, des apéros. On est quand même sur un discours un peu trop parfait pour moi. Aïe, moi, aïe, aïe. C'est vrai, je les connais. Elle a pisté. J'ai donné. Elle a c'est pisté. Bon, maintenant, je veux plus tomber dans le panneau. Donc, je décide à ce moment-là de changer d'attitude. C'est carton et jaune. De mettre carrément les pieds dans le plat. Est-ce que tu es encore inscrit sur les sites de rencontres? Est-ce que tu discute encore avec d'autres filles que moi? C'est vrai que après une séparation, bah, tu retrouves une certaine liberté. Ah, voilà, c'est la pire réponse qu'il vient de donner. Alors qu'il avait juste à dire non, si c'était le cas. Mais là, c'est une réponse frérot de politicien. Alors, ça m'est arrivé de discuter avec d'autres filles. J'ai fait quelques rencontres. Et beaucoup? Combien? Ah bon...
42. Voilà, bah, pas beaucoup, c'est pas beau. 42, quoi. Voilà. Ah, ouf, j'ai pas compté, oui, j'ai fait quelques rencontres. Alors, déjà, quand tu comptes pas, c'est mauvais signe. Non, parce que si on a eu 3, tu t'en souviens. Si on a eu 72, bon, c'est un peu, tu vois, c'est moins évident de s'en rappeler. Une vingtaine, plus, moins. Il a foudroyé tout ce qui bouge. Non, mais je vous le dis. Lui, il s'est séparé de sa femme, 40 balais, il a foudroyé tout ce qui respire. J'ai fait plus de 10 rencontres, ça c'est certain. Après, je te retourne la question. Est-ce que toi, t'es capable de dire le nombre de rencontres que t'as effectuées? Bah moi, je dirais une dizaine, mais sur 7 ans. Ah oui. Donc, voilà. Lui, c'est sur 7 mois, quoi. Ah, moi, j'ai préféré la qualité à la quantité. Bon, bah alors, c'est plutôt bon signe, alors. Non, non, mais il a dit une dizaine, mais la vérité, qu'il en a 50. Je fais partie de la qualité. Sur la table, il y a une clé. Oui. Bon, c'est bon, c'est gagné. Hein. C'est un symbole d'engagement. Moi, je veux vraiment être sûre de mon choix. Ce n'est pas possible, c'est la vie. Et plus me faire avoir. Ce n'est pas possible non plus, c'est la vie. Donc, je vais te laisser cette il clé. Il a peur un peu, non ? Le regard a changé. Hein. Donc, si tu l'as choisi, c'est que tu me rejoins dans ma chambre et que tu souhaites prolonger le week-end avec moi. Par contre, garde bien ça en tête. C'est un signe d'engagement. Il va fuir, sortir du château, réactiver son compte Tinder. Ah oui, André et Alexandre. Cette Lilloise vit une histoire à distance compliquée avec Alexandre. Par contre, moi, les gars, je vais vous dire un que truc. L'accent du Nord, je suis désolé pour tous mes amis nordistes, mais l'accent du Nord, il est pas très excitant. Moi, il m'excite pas de ouf. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Après, les goûts, les couleurs. Mais bon, l'accent de Tourcoing, ça donne pas envie de dresser le bagala. Hein. Pour lui prouver son sérieux, Alexandre l'a prise de coup. Mais attention, c'est un accent du Sud. Tu vois, moi, je côtoie, bah, j'habite dans le Sud, donc j'entends beaucoup de gens qui ont un accent. Un accent du Sud très prononcé, ça me cringe un peu aussi. En lui demandant de déménager chez lui à Saint-Étienne, alors va-t-elle accepter de tout quitter pour lui? Toque à cette porte, Andrea. Wow! Elle s'est retournée de manière décidée. Non! Non, elle va toquer, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Oh, le manteau et le sac, ça m'a fait peur. Ils sont forts. Hey, comme je suis contente. Mais c'est vrai qu'elle a laissé, elle a laissé les rouges. Hein. Content. Un bisou de grand-mère, il lui a fait. Et je suis grave content. Ben moi aussi, je suis trop content. Genre, j'arrive pas à réaliser que t'as fait ça pour moi et qu'on en est là. Tu vois que t'as fait ça pour moi? C'est juste ouf. Je repars en couple. Chose de malade. Oh, ça va. Bien joué, mon Alex. C'est une autoroute. L'autoroute du bonheur. L'autoroute du bonheur. Ah oui, quand même. Oh, il a pas de calvas, l'enculé. Il a des veuches. Ah bah ça, vous voyez, ça c'est mon... Bah je suis plus content de savoir ça qu'ils sont en couple. Oh, il nous a bien eu, lui. Notre rencontre est l'heure du commun. Parler autant de temps sans se voir, c'est l'inédit, c'est... Non, il y en a vraiment à chaque fois. Il y a 3 couples par émission, il y a eu 2 saisons. Donc c'est pas si inédit que ça, quoi. Voilà. Paniquer l'ambiance, hein, mais... C'est pas si inédit. Oh, Maxime et Kenny, putain, merde. Kenyès. Il y a 6 mois, il est tombé sous le charme. Je crois que Kenyès a raté sa cible, les amis, et ça n'arrive pas souvent pour Kelly. Pourvu que Kelly n'ait pas été trop refroidie par leur rendez-vous. Ouais, c'est un peu la galère, hein. Ça a ramé fort, hein. Si elle accepte pas, je me dirais, mais c'est quand même dommage, ça fait 6 mois, on attend. On se voit 15 minutes, et puis ciao, bonsoir. Ciao, bonsoir, ouais, mais bon, frérot, en même temps, tu as vu comme tu as bégayé, tu lui as pas donné trop envie aussi, Maxime, hein. C'est vrai que ce serait dommage, mais quand elle t'a dit alors, c'est quoi les projets dans la vie, t'as fait... Et frérot, t'as inventé une langue, on savait même pas qu'elle existait. Aïe. Oh, elle va lui envoyer un texte. Oh, c'est mort. Oh non. Oh, le coup de téléphone. Oh là là. Regardez sa tête. Oh, le coup de téléphone, c'est fini. Oui. Allô, Maxime ? Oh là 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 ouais. C'était juste pour te dire que ben merci beaucoup pour la proposition, mais je vais malheureusement pas monter avec toi. Oh là 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 là, Maxime. Ok. On a
pas vraiment beaucoup de points communs. Enfin, des cœurs dans le chat pour Maxime. Moi, je suis pas du tout une fille de la campagne. Mais après, je pense qu'elle a raison. Ils ont vraiment là, le truc, c'est trop opposé. Tu vois, c'est bien les opposés, mais là, frérot, c'est des aimants qui se repoussent. J'ai du mal à comprendre. Il a raccroché direct. Même pareil. Je me doute que c'est à cause de ces 2-3 petits points qui pouvaient gêner. Aïe, aïe, aïe. Alors à très bientôt. À bientôt. Bisous, ciao, ciao. Ciao. Oh là là, bisous, ciao, ciao. C'est vrai que l'angoisse. J'ai été brève, de façon plus franche, je ne peux pas. Je pense que les choses ont été dites. Non, mais elle a raison, hein, si elle le sent pas, elle le sent pas. Ça sert à rien de faire durer plus longtemps quelque chose qui, au final, n'aurait sûrement pas marché. Je suis quand même déçu parce que quand on a une mais tu une vas te relever mon garçon avec qui on s'entend bien, bon on espère qu'une tu peux faire l'amour et dans le pré maintenant, tente ta chance là-dedans. Une chose c'est que ça marche, bon malheureusement ça peut pas fonctionner à tous les coups. Nous retrouvons Julie. Attention, est-ce qu'elle lui a fait peur elle Julie a craqué pour Ludovic, un quadra Ludovic. Oh, je croyais que t'as oublié tes chocolats. Merci. Oh là là, il fait du une petite vanne en plus. T'as décidé de prendre cet engagement? Non, non, je t'ai ramené tes chocolats et je me barre. Merci. J'ai fait le point sur ma vie, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux. J'aimerais te faire un gros câlin. Il est très très fort. Hein. Merci. Bah, 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 bah. Attention quand même là-haut, hein. Attention, hein. Attention à pas. Hein. Attention. Ce bruit de bisou, il est terrible. J'ai enfin trouvé mon prince charmant. Eh ben, on te le souhaite, Julie. On te le souhaite. Allez, on va voir. Après la nuit au château, le prince charmant de Julie ne s'est pas enfui au petit matin. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Avec Ludovic, ils sont en couple. Et elle s'est même mise à la cuisine pour lui. À la cuisine. Bravo. Un petit repas. Excusez-moi, c'est une pulsion. Donc, étant donné que je ne suis pas une grande cuisinière, j'ai misé sur des valeurs sûres. Petit tagine et petit crumble. Oh, ils ont un chat et tout, c'est magnifique. Andrea multiplie les allers-retours. Attends, il n'est pas s'installer avec elle, avec lui à Saint-Etienne? Avant d'emménager définitivement avec Alexandre. Oh, mais c'est que du bonheur là-haut. Quant à Maxime et Kelly, après la déception suite à leur premier rendez-vous, ils gardent le contact et tentent de rester amis. On reste amis, mais ça ira pas plus loin. Comme quoi, dans les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire en fait. On se rend compte que c'est pas du tout la même chose. À bientôt pour de nouvelles histoires d'amour. On a quand même deux couples qui se sont formés. Qu'une rencontre pour devenir réel. Réel. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, les amis, deux couples qui se sont formés à l'issue de cette émission. On leur souhaite que du bonheur, bien évidemment.